Salut, salut, on est lundi fin de matinée, donc mi-avril. C'est bien sympa, on entend les oiseaux depuis un mois. Donc il est temps de faire le journal de bord de la semaine écoulée. Donc pas de maçonnerie cette semaine, le maçon est parvenu. Il laisse le temps à la chaux de sécher, je pense. Il attend son collègue aussi, parce que pour monter les granites, c'est plus pratique. Donc moi, du coup, j'ai continué à dégager mon étage, ranger mon rez-de-chaussée, aménager un peu le garage, et quand le temps le permettait, les extérieurs. Donc là, on est sur la partie est du terrain, la limite de la départementale. Donc le talus, donc pour pas consommer trop de terre, ce que je fais sur le talus maintenant, c'est que là dessous c'est tout ce que je sors sous le kiwi. Dessus c'est les quelques tiges de branches qui me restent pour plisser. Et dessus là, c'est les herbes, les mauvaises herbes que j'ai retirées au pied des arbres dans la prairie. Donc il faut que je finisse de plisser cette partie-là. Je vais pas avoir assez de saules. Ça va le faire et que je pose mes derniers piquets. Donc en osier, il me reste que ça, c'est pas grand chose. Si au passage, je sais pas si je vous verrai à contre-jour, allez, je vous y amène. J'ai tété enfin le chêne qui s'approchait dangereusement de la ligne haute tension qui était au-dessus. Donc j'ai tout le bois à sortir dessous. Pourquoi il faut que je sorte tout le bois dans cette zone-là? Parce que là, de toute façon, le gratron qui reprend, mais ça c'est systématique dès qu'on a du broyat au sol. Et c'est une zone à fougères, tout ça. Donc, c'est pour ça que je dégage ça, que je finis propre, que j'évacue mon bois. Parce que quand les aigles vont attaquer, il va falloir s'en occuper. Donc en même temps que le chêne, j'ai également fait ce que je voulais faire depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire que les deux grandes branches de saule qu'il y avait ici, je les ai plissées de manière à les coucher pour le talus. Le but, c'est qu'ils refassent des pousses verticales, et comme ça me fera toute une barrière de saule à cet endroit-là. Donc le plissage, c'est tout simple, c'est que vous coupez en biais ici, là, jusqu'au moment où vous avez assez de souplesse dans la bande d'écorce qui reste, pour pouvoir la plier. Donc il faut que je le renforce avec un piquet de l'autre côté, parce que ça, faut pas que ça bouge. Et après, vous coupez le moignon. Donc je sais pas s'il faut le couper vraiment au ras. Là, j'ai laissé un petit peu. Et là, l'arbre, la branche est pas morte, normalement. La sève continue à passer. Donc, surtout, c'est du saule. Il y a de fortes chances que ça renracine. Et là, il va falloir que je donne un coup de tronçon de manière à ce que les deux branches se collent, de manière à se ressouder. Et ici, on mettra un piquet en travers de manière à les coincer, à les forcer, pour éviter qu'elles bougent. Donc si on remonte, ce matin j'ai redonné un coup de tondeuse, j'ai pas fini. Pourquoi j'ai pas fini? Parce que dans la zone nord, il me reste encore du bois à sortir. Donc là, j'ai mes grandes tiges de noisetier qu'il faut que j'enlève des petites branches, soit en faire des piquets, soit en faire de quoi finir de plisser ma haie une fois que j'aurai mis les poteaux. La débroussailleuse, la tondeuse débroussailleuse est sortie. Là, c'est du noisetier à débiter. Là, c'est du sapin. Là, c'est des branches qu'il faut encore que je broie. Et sous le kiwi, j'ai toujours pas fini la partie au fond là. Mais c'est un sacré boulot, mais on commence à y voir plus clair. Donc on s'aperçoit que les branches elles vont dans tous les sens au sol. Donc il y en a certaines qui ont marcoté, donc il va falloir que je les décelle à l'arrière du tronc. Mais il y a un sacré boulot là. Mais en tout cas, certains avec les actinidias ont été embêtés par les gelées, mais moi,
Même si c'est descendu à moins 3, il n'en a pas souffert visiblement. L'autre occupation, ça a été la tonte de la prairie, principalement les zones que j'avais dégagées en long, hein, de manière à favoriser la repousse des herbacées, donc de la pelouse, des graminées. Finir de dégager l'extension du futur potager, bon, petite extension qui va à 3. Et là après, maintenant, il faut que je gratte avec... Donc j'y vais au croc, hein. J'y vais au croc et quand j'ai une racine ou autre chose, fourche bêche. Donc je récupère les cailloux, toujours, hein, les gros cailloux que je ressors. Donc là, j'ai planté mes poteaux. Je me suis encore blairé. Donc en vérifiant les diagonales ce matin, je m'aperçus que j'avais un décalage de l'autre côté. Donc j'ai remis ça droit. Donc j'ai la première bande qui va être ici, là, avec l'arbre au milieu. Mais comme cette bande-là, ça va être réservé en pépinière, on va dire ça comme ça, c'est pas bien grave. Autrement, j'aurais 9 bandes de 10 mètres. Donc là, j'ai mis les poteaux tous les 1,50 m parce que je vais faire les bandes de 75 en définitive. Ce qui permettra de... et passe-pied aussi de 75. Comme ça, ça permet, s'il y a besoin, de faire une bande d'1,50 m. Ou alors, tout simplement, de cultiver les passe-pieds comme j'ai pas besoin d'amender ma terre ici. Hein. Elle est naturellement riche. Je sais pas si vous voyez la taille des pieds de poireaux. Quand j'ai acheté les plants, on m'a dit « Oh là, le poireau, faut mettre de l'engrais, hein, autrement ça grossit pas. » Ben non. Et j'ai également continué à dégager autour mes herbeux, autour des arbres. Et là, ça prend du temps. Donc, au départ, je voulais faire des grandes bandes, de manière à pouvoir planter ce qui était curcubitacé, les choses comme ça dans la prairie, qui ça prenne moins de place dans le jardin. Mais je vais déjà voir comment le paillage résiste avec le traitement que je fais au sol avant d'en dégager trop. Et autrement, tout le reste est étendu, ainsi que la partie nord, là où j'ai pas de branches. Donc le broyeur est là, pourquoi? Parce que là j'ai ramené le reste de branches de saule qui me restait, hein, pour en broyer un peu. Et là, il faut que je fasse ce qui n'est pas du saule, de manière à finir le paillage au niveau de l'abri de jardin. Donc voilà. Vidéo principalement extérieure. Donc en espérant que ça vous ait plu quand même. Donc je ne vais pas être plus long, je vais conclure là. C'est ainsi, là il y a encore un... Ça, c'est pas une bouture, c'était une vieille marcotte de figuier, hein, à planter. Donc je pense que je vais le mettre là, mais j'attendais de tracer le jardin avant pour voir. Là, je suis pas mal, parce que, ah oui, tiens, dernier truc. Là, je suis à peu près sur une ligne, sur après ma ligne d'arbustes là-dessus. Et on s'aperçoit que par rapport aux anciennes plates-bandes, on est complètement décalé. Pourquoi on est complètement décalé? Pour la simple et bonne raison que j'ai essayé de réorienter mon jardin, donc le nord est par là, donc de l'orienter nord-sud. Pour le jardin, c'est pas trop grave, mais derrière le jardin, j'ai en projet de pouvoir mettre parallèle au jardin, là protégé par le hangar, de mettre une serre au fond. Hein. Donc par contre, l'orientation de la serre, elle était importante. Donc ça fait partie des plans sur la comète. Mais bon. Allez, je vais pas faire trop long quand même. Je vais vous dire la semaine prochaine. Portez-vous bien. Profitez du beau temps qui semble revenu. Et je vais vous dire Kenavo.